pas. Merci beaucoup à Thierry Happ, qui est président et fondateur de l'Observatoire NetExplo. Merci beaucoup. Si vous regardez le programme d'aujourd'hui, vous verrez qu'il est divisé en trois épisodes. Nous allons commencer par l'épisode 1 qui s'intitule « Le monstre à venir ». Et pour j'aimerais inviter Sandrine Catella, qui est directrice associée et directrice de la recherche auprès de NetExplo. Sandrine, c'est à vous. Merci à tous d'être ici, merci à tous d'être parmi nous, d'être bien présents. Je vais vous demander de travailler un peu, de travailler avec moi tout au long de cette journée, si vous avez le courage de rester avec nous jusqu'à la fin, pour écrire notre futur, pour écrire notre histoire, pour se demander où on veut aller, comment y aller et jusqu'où aller. C'est le propos des tendances de NetExplo cette année 2019. Ces tendances... magique. Ces tendances, elles sont issues évidemment d'une captation que nous avons faite tout au long de cette année. Et cette captation nous a confortés dans les tendances que vous connaissez peut-être pour certains d'entre vous, que nous avions évoquées l'année dernière. Une de ces premières tendances était celle à l'interface zéro, qui propose un écosystème toujours plus intuitif, toujours plus naturel, toujours plus convivial, toujours plus simple à utiliser, à commander, et qui va permettre évidemment de s'adresser au plus grand nombre. Alors, dans notre captation, nous avons encore beaucoup d'exemples qui viennent enfoncer le clou de cette interface zéro, comme par exemple ici, cet ordinateur qui a la taille d'un grain de sel et qui va permettre à notre écosystème digital de s'insérer absolument partout, dans nos lieux de vie, dans nos lieux de travail, dans nos vêtements et possiblement demain, dans nos corps. Nous avions évoqué également l'année dernière une deuxième tendance, la tendance à la décision zéro. La décision zéro, c'est quoi? Ce sont ces écosystèmes numériques serviciels qui gagnent en autonomie, qui gagnent en indépendance, qui sont de plus en plus décisionnaires et qui, finalement, peuvent tout à fait se passer de nous, de notre accord, pour agir, pour commander un certain nombre de services autour de nous. Et là encore, on voit que l'on capte chaque jour un peu plus eh bien, ces intelligences numériques autonomes, comme par exemple ici, un casque de réalité virtuelle dont l'intelligence permet de poser un diagnostic sur votre état de santé, que j'espère tout à fait bon, et une fois ce diagnostic posé, qui va pouvoir eh bien, commencer, vous proposer de suivre une thérapie. Tout cela demain, sans l'assistance aucune d'un thérapeute ou d'un médecin. Ce que nous avons pu également capter, et cette année sans doute un peu plus que l'année dernière, c'est l'effort qui est fait à faire que l'intelligence artificielle, les robots, les chatbots, nous ressemblent, se rapprochent de plus en plus de nous et... finalement, ça peut être un peu confusant puisque ce robot,
ce chatbot, cette intelligence numérique avec laquelle je collabore et qui me rend service, elle peut devenir quasiment une sœur, une jumelle, et je ne fais plus la différence entre l'homme et la machine. Alors, cette confusion, elle peut prendre plusieurs formes, évidemment. Ici, par exemple, c'est un algorithme qui va produire des photos, des portraits, terriblement réaliste, mais pourtant, ces photos, ces portraits n'appartiennent absolument à personne. Ou encore ici, cet algorithme qui est capable de produire des textes, des romans, demain, pourquoi pas, des plans stratégiques d'entreprise, et pourtant, ces mots n'appartiennent à personne puisqu'ils ont été produits par un algorithme. Ce qui est étonnant, dans ce rapprochement entre l'homme et la machine, c'est que le robot que j'ai en face de moi, le robot conversationnel avec lequel je dialogue, me ressemble, mais pas tout à fait. Et ce qui crée une relation un peu étrange. Mais finalement, on a pu observer cette année que bon nombre d'innovateurs numériques ne cherchaient plus à développer des robots humanoïdes qui me ressembleraient trop, mais qui, au contraire, vont essayer de travailler sur ce qui fait que mon vis-à-vis, y compris robotique, me paraît humain. Et on parle là d'expression, on parle là d'émotion. On parle là de sentiments, vous le verrez en détail avec Furhat qui est un de nos lauréats, mais par exemple ici, avec cette petite tête de robot tout à fait sympathique, Cyr, qui ne me ressemble absolument pas, si ce n'est la formidable expression de son regard, de ses yeux qui bougent, de ses sourcils qui bougent aussi, de cette tête qui s'incline et qui fait qu'une émotion passe et qu'elle est plus proche de moi. Même chose ici, mais un peu différemment, avec un bras robotique qui là ne ressemble absolument pas à un bras humain et organique. Simplement, ce bras robotique va saisir des objets en même temps que moi. Mais pour saisir ces objets, il va d'abord comprendre quelle est ma culture, quelles sont mes habitudes, quels sont mes us et coutumes dans le partage de ces objets. Et donc ce bras robotique va faire avec ce que je suis, avec ma culture, avec mes habitudes, pour ne pas me choquer et pour interagir avec moi de manière quelque part plus humaine. Alors évidemment, tout ceci est assez inquiétant. Parce que quand on parle de rapprochement entre l'homme et la machine, quand on envisage une éventuelle confusion entre l'homme et la machine, on peut se poser tout un tas de questions. Cette intelligence artificielle, on l'imagine toujours plus humaine, on l'imagine aussi toujours plus dangereuse. Alors pourquoi ? Premièrement, parce que si elle me ressemble terriblement, pourquoi est-ce qu'elle ne me remplacerait pas ? Ça, c'est une question que l'on connaît tous. Mais n'oublions pas que si on confère à l'intelligence artificielle demain toutes nos compétences, toutes nos aptitudes, toutes nos capacités, toutes nos qualités, mais en mieux. On lui confère aussi tous nos défauts, mais en mieux. Donc ça veut dire qu'on donne à ce robot, à cette intelligence numérique, nos désirs, nos envies, nos jalousies, nos colères, nos ambitions. Et c'est ce qui fait que trop souvent, on confère à l'intelligence artificielle une morale, ou alors pas de morale du tout, ce qui la rend assez dangereuse. Et ce qui nous amène à nous poser une question, qui est évidemment, quel avenir demain avec l'IA ? Où allons-nous ? Quel chemin empruntons-nous demain avec l'IA, c'est à nous, évidemment, d'écrire ce chemin et de choisir la voie que nous souhaitons. C'est le propos de ces tendances. On est à un point d'orgue. La technologie continue, évidemment, à inventer, à innover. Elle améliore sans cesse un peu plus ce qu'elle nous propose déjà depuis de nombreuses années. Et il est peut-être temps de poser le stylo pour se demander qu'est-ce qu'on veut faire de toutes ces innovations technologiques. Certains d'entre nous sont terriblement enthousiastes. La technologie a quelque chose de magique, pour chacun d'entre nous aussi. Elle est une promesse d'avenir, une promesse de richesse et de succès aussi. Pour d'autres, elle est plus inquiétante. Et elle est plus une promesse de futur dystopique, angoissant. Peut-être qu'avant de crier au traumatisme absolu, il faudrait se rappeler ce qu'est une IA, à quoi elle ressemble. Finalement, il y a un monstre qui se profile à l'horizon. Ce monstre, on ne sait pas trop quand, comment, à quoi il ressemblera.
Simplement, il est là, en face de nous, et on serait assez tenté, comme les blockbusters hollywoodiens, de faire de ce monstre un gros, gros méchant. Pourquoi pas ? Peut-être. Il y a une chose sur laquelle on peut probablement tous se mettre d'accord aujourd'hui, c'est que si l'intelligence artificielle est un monstre, c'est avant tout un monstre d'efficacité, un monstre de productivité, un monstre de performance. L'intelligence numérique, l'intelligence artificielle, tous nos complices digitaux sont avant tout des outils. Des outils au même titre qu'un marteau est un outil. Et un marteau obéit à la volonté de son usager. C'est vous qui dirigez le marteau, c'est vous qui allez imprimer la force et la direction de ce marteau, vous en êtes donc l'intelligence. Et donc, si l'intelligence artificielle est un outil, elle est également pilotée par la volonté humaine. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, tout à l'heure, on se demandait si l'intelligence artificielle ne ressemblerait pas à l'homme, si elle n'était pas développée sur le modèle de l'homme. Moi, je vous propose une autre solution. C'est que l'intelligence artificielle a été développée sur le modèle des organisations, sur un modèle corporate. Et elle va servir les process et les modèles des organisations pour augmenter leur efficience, pour augmenter leur productivité, pour créer de la valeur et créer toujours plus de performance. Donc le modèle de l'IA n'est peut-être pas l'humain, il est peut-être et sans doute plutôt celui de l'organisation dont il est l'implacable outil. Donc oui, l'intelligence artificielle est probablement un monstre de promesses d'efficacité et de succès, on le voit en bourse chaque jour. Ce modèle, finalement, que sert l'outil de l'intelligence artificielle, n'est pas un modèle disruptif. L'intelligence artificielle est une technologie qui, au même titre de toutes les technologies que nous traversons depuis des centaines d'années, vient aider à la mise en œuvre d'un modèle, toujours le même, hein, d'un modèle de croissance et d'industrialisation. La disruption n'a pas eu lieu dans la digitalisation que nous connaissons aujourd'hui. L'IA est un monstre d'efficacité qui sert un modèle tout à fait connu. Et d'ailleurs, on le voit dans certaines des innovations que nous avons captées cette année. Par exemple, ici, c'est une caméra numérique intelligente qui va tenir le rôle d'un vigile dans un lieu de vente, un magasin, et qui va surveiller les clients pour s'assurer qu'il n'y a pas de vol. Ou ici encore, c'est un logiciel, Ideagram, qui va évaluer chacune des idées qui sont proposées par les collaborateurs des entreprises pour savoir lesquelles sélectionner et lesquelles mettre en œuvre à titre expérimental. Donc l'IA est un outil de performance. Alors, encore une fois, je pose la question, pourquoi s'inquiéter ? Pourquoi imaginer le pire ? Pourquoi avoir peur d'une dystopie alors que cette IA est un outil ? Parce que c'est un outil comme un marteau, mais ce n'est pas tout à fait un marteau quand même. Parce que tout à l'heure, souvenez-vous, je vous ai dit que le marteau était animé par une volonté, la volonté de son usager. Ce qui est différent avec l'outil numérique, c'est qu'il embarque sa propre intelligence. Et cette intelligence peut être tout à fait distincte de l'intelligence de son usager, puisque l'intelligence de cet outil numérique a été codée, a été développée par quelqu'un d'autre. Alors oui, on peut personnaliser son outil numérique, mais quoi qu'il en soit, il a son intelligence propre. Donc, il n'est plus aussi neutre que pouvait l'être un marteau. Et en plus, cet outil se métamorphose. Et là, je vais évoquer des choses que vous connaissez déjà, mais qu'il est peut-être toujours utile de se rappeler. Quels sont les stades de développement de cet outil d'intelligence artificielle ? On est les deux pieds dans le stade 1 du développement de l'intelligence numérique, c'est le logiciel tactique. L'objectif est 100% commandité par l'humain et les moyens sont 100% opérés par l'humain. Nous sommes donc tout à fait responsables de l'écosystème numérique que nous développons depuis 10, 15 ou 20 ans. Et donc, nous développons pour notre confort, pour nous simplifier la vie, pour nous rassurer, tout un tas de services numériques qui nous aident à mieux comprendre le monde qui nous entoure et à prendre les bonnes décisions. Par exemple, ici, c'est un objet connecté qui va rassurer toutes les jeunes mères de famille en monitorant l'allaitement maternel. Plus besoin d'intuition,
plus besoin d'instinct maternel. Vous avez avec vous votre auxiliaire numérique qui va vous dire si vous avez correctement nourri votre enfant et à quel moment vous devez reprendre l'allaitement. Dans cette proposition de stade 1 de logiciel tactique, nous avons un certain nombre d'enjeux à prendre en compte. Le premier enjeu, évidemment, il ne vous surprendra pas, c'est celui de la data. Nous sommes responsables de la data. N'oublions pas que partout dans le monde aujourd'hui, ce sont des hommes et des femmes qui construisent les bases de données et qui les qualifient. Par exemple, en Finlande, on fait appel à des prisonniers pour constituer des bases de données. La donnée, c'est aussi faire le choix entre du big data, du small data, du smart data. Est-ce que demain, on va continuer à capter de la donnée tous azimuts, très variée, très complexe, en grand nombre, ou est-ce qu'au contraire, on va aller comme ici, utiliser un capteur qui a été imprimé par une imprimante 3D, que vous pouvez coller sur votre peau et qui va sélectionner la data d'un individu à un moment donné pour collecter une donnée plus précise. Et puis évidemment, quand on parle de data, on parle de biais, aussi de ces bases de données. Là, c'est un algorithme qui a été développé pour essayer de parer au biais des bases de données que nous connaissons tous. Mais il y a un autre enjeu qui est peut-être moins technologique que celui de la data, qui est tout à fait important, qui est l'enjeu du récit. Finalement, toutes ces données, tous ces efforts qui sont faits pour développer des services numériques, on les développe, on les produit, ces efforts, pourquoi ? Pour aller où ? Pour raconter quoi ? Pour emprunter quel chemin, nous sommes absolument responsables du récit. Nous sommes responsables du sens que nous donnons à ces intelligences artificielles. Trop souvent, on voit le monde numérique comme un monde de technologie, un monde de business et de succès économique. On ne le voit pas suffisamment comme étant un sujet politique, politique au sens large, au sens noble du terme. Donner du sens à vos développements numériques est probablement fondamental aujourd'hui. Nous serons redevables du sens que nous avons donné à nos innovations numériques. Et finalement, quand on développe comme ici un drone pour surveiller les villes, quel est le récit de la surveillance publique que nous sommes en train de faire ? Ou encore ici, en Chine, nous avons des classes de jeunes enfants équipés de caméras numériques intelligentes qui vont détecter les émotions de chacun des enfants tout au long du cours. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de cette donnée ? À quoi on va l'utiliser ? Est-ce que c'est pour une meilleure pédagogie ? Est-ce que c'est pour évaluer le niveau de chaque élève et éventuellement se séparer des plus mauvais, des moins attentifs, des plus émotifs ? La technologie en elle-même est un outil qui n'a pas de morale, qui n'a pas de valeur, qui n'a pas d'éthique. C'est à nous de lui donner, évidemment, un sens. Et puis, encore une fois là, quand on vous propose de vendre vos données génétiques, pour quel récit allez-vous possiblement les vendre ? Un enjeu de cette mutation de stade 1, c'est que nous digitalisons tout un tas de services, de process, de méthodes à marche forcée depuis 10 ou 15 ans, et on digitalise de manière opportuniste des petits bouts de nos gestes professionnels, des petits bouts de nos prises de décision à titre privé ou à titre professionnel. Ça donne un écosystème de services pointilliste, c'est-à-dire beaucoup de services juxtaposés les uns aux autres, mais qui n'interagissent pas encore ensemble, qui ne discutent pas ensemble, qui ne dialoguent pas ensemble, qui ne forment pas un récit. Il est temps aujourd'hui de passer à une industrialisation de cet écosystème de services, à lui donner plus d'ampleur, plus de sens, et c'est le propos de notre enjeu, de l'histoire, du récit, de l'objectif que l'on se donne. Stade 2, un algorithme un peu plus stratégique. Le récit, l'objectif est encore humain. En revanche, la méthode est aux mains de l'IA. Là, on est les deux pieds dans le machine learning. On ne sait pas comment la machine arrive à l'objectif que nous lui avons assigné. Par exemple, ici, c'est une intelligence artificielle à laquelle on demande de trouver des molécules pour soigner des maladies orphelines. On ne sait absolument pas comment elle y arrivera. Mais on lui a donné l'objectif. Même chose ici avec une intelligence artificielle à qui on a demandé de nous trouver des stratégies d'évitement d'un astéroïde. Pourquoi pas ? On ne sait absolument pas comment elle y arrivera, mais on lui a donné un objectif, nous sommes maîtres de l'objectif. Ici, l'enjeu principal, c'est évidemment la transparence des algorithmes. Dans la boîte noire du machine learning, que se passe-t-il ? Si on ne le sait pas, on ne peut pas intervenir, on ne peut pas choisir, on ne peut pas coécrire
le récit. Et là, nous aurons un des lauréats 2019 NetExplo, Tissy Evie. Le propos de Tissy Evie, c'est de rendre intelligible pour chacun d'entre nous ce qui se passe dans cette boîte noire du machine learning. Et puis, l'enjeu de cette mutation de stade 2, c'est de se poser la question de la simplification du monde. Quand on passe beaucoup de temps et qu'on mobilise beaucoup d'intelligence pour mettre le monde en données, il ne faut pas oublier qu'on le simplifie aussi. Et donc peut-être qu'il faut prendre garde à ne pas trop simplifier le monde, à ne pas trop réduire le monde aux algorithmes numériques et aux data. Finalement, quand on développe un chatbot comme ici en Inde pour prendre une partie de la fonction RH d'une entreprise, est-ce qu'on n'a pas trop simplifié la complexité des ressources humaines dans une entreprise? Il faut faire très attention à ne pas trop dégrader notre réalité. Et puis le stade 3, c'est le stade de l'intelligence artificielle, la vraie, entre guillemets, celle qui sera autonome, celle qui sera stratège, celle qui sera généraliste, celle qui sera en réseau. Quand elle arrivera, si elle arrivera, sous quelle forme, nous ne le savons pas. Nous en avons peut-être quelques prémices dans notre captation. Ici, c'est une main robotique extrêmement agile, en tout cas qui singe l'agilité d'une main humaine. Et vous savez à quel point il est difficile d'imiter cette dextérité. Cette main robotique a appris toute seule à gagner en agilité. Elle a expérimenté cette agilité dans la réalité virtuelle, et elle a décidé toute seule à quel moment elle avait atteint le niveau maximum de son agilité. C'est peut-être déjà un premier pas vers l'autonomie de cette intelligence artificielle générale. Et puis peut-être que vous avez entendu parler de ce robot américain qui est peut-être doué d'une certaine conscience de soi. Ce robot, on lui a demandé de trouver tout seul à quoi il ressemblait et à quoi il pouvait bien servir. Il lui a fallu 50 heures d'expérimentation pour dire, eh bien voilà, je suis un robot avec plusieurs bras, et avec ces bras, je peux porter des objets et les amener d'un point A à un point B. Il l'a trouvé tout seul. Alors, je vous laisse juge de savoir si là, nous avons un robot qui a conscience de lui-même, mais là encore, c'est un premier pas vers une intelligence artificielle plus généraliste. L'enjeu de cette mutation de stade 3, c'est évidemment que, une fois l'intelligence artificielle la vraie avérée, elle sera en capacité de choisir son objectif, d'écrire elle-même son récit, et de choisir les méthodes et les process pour y parvenir. Là, nous n'avons plus grand-chose à faire dans ce récit opéré par la machine. Alors, encore une fois, la question que je vous pose, c'est quel avenir se prépare avec l'intelligence artificielle? Qui sera maître de ce récit? C'est probablement le point d'orgue que nous sommes en train de vivre aujourd'hui et autour duquel nous allons eh bien, passer toute la journée et réfléchir ensemble. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre intérêt. J'espère vous retrouver tout à l'heure pour la deuxième partie. Merci.